Bienvenue à tous ceux ce matin qui nous regardent, qui assistent à ce culte. Nous allons louer et adorer le Seigneur et je vous demande de le faire en toute liberté. Chez vous, là où vous êtes, donnez gloire à Dieu ce matin. Donnez-lui gloire, honneur et louange. Il en est digne. Amen. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin pour adorer le Seigneur, pour un culte d'adoration et d'action de grâce. Et nous commençons ce culte en chantant le sang et les avantages de ce sang versé pour nous. Le sang. Chante avec nous ce sang qui nous a libérés. Tu m'as sauvé, par ton sang, tu m'as libéré, par ton sang, je peux entrer dans le lieu saint. Ton amour m'a pardonné, ta puissance m'a relevé, par ton sang. Précieux sang de l'agneau. Par ton sang, ensemble. Par ton sang, tu m'as sauvé. Par ton sang, tu m'as libéré. Par ton sang, je peux entrer dans le lieu saint. Ton amour m'a pardonné.
Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer avec ce chant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et nous allons disposer nos cœurs. Alléluia. Chantons ensemble. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, alléluia, alléluia.
notre Dieu règne. Il règne dans nos cœurs, il règne partout. Et c'est pourquoi nous allons chanter sa présence. Nous allons chanter la présence de celui qui règne au milieu de nous. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Son de qui de joie, mais son vie.
Voilà, sans plus tarder, nous allons lire un texte biblique dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, avant de parler d'autorité, avant de montrer que Dieu nous a donné aussi une part de son autorité, nous allons tout d'abord parler des lieux célestes, dans les lieux célestes, les lieux célestes. Et cette expression revient plusieurs fois dans l'Épître. Il serait impossible d'en saisir le sens si l'on croit que le monde se limite à ce que l'on voit. Mais par-delà l'univers visible avec son espace et son temps qui nous sont familiers, il existe également un monde inconnu et ça, c'est une réalité. Quand nous cherchons la face de Dieu, quand nous nous plaçons devant Dieu pour pouvoir prier, quand nous réalisons la dépendance avec Dieu dans la prière, quand on se tient devant Dieu comme l'a fait le prophète Élie, oui, la dépendance est nécessaire. Élie prie et c'est la dépendance. Et cette même dépendance est la source de la puissance du prophète. La sphère de cette puissance est très élevée, c'est le ciel. Remarquez dans 1 Rois chapitre 17, verset 37. Quand Élie est là aux prises avec les prophètes de Baal, voilà ce qu'il dit. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Remarquez donc, ici le ciel se ferme et s'ouvre quand Élie prie. Il est directement au contact avec le Seigneur. Il est en tête à tête avec Dieu. Il prie son Dieu et son Dieu répond parfaitement. Quand Élie prie, alors Dieu fait descendre le feu qui consume l'Holocauste en présence des prophètes de Baal. Ça, c'est extraordinaire. En quelque sorte, quand nous cherchons le Seigneur Jésus dans la gloire où il règne, c'est-à-dire dans les lieux célestes, c'est de son trône qu'il dispense ses richesses infinies à chacun. Dieu bénit. Dieu répond. Le ciel souffle. Les écluses des cieux s'ouvrent et Dieu répand sa grâce et sa bénédiction. Est-ce que nous le voyons? Non. Qu'est-ce que nous voyons? Mais simplement, nous avons cette assurance que Dieu est là, qu'il réalise avec nous sa présence. Sa présence est une réalité pour nous. Et nous avons cette conviction. Quand nous demandons quelque chose en son nom, il nous l'accorde. Éphésiens 1, verset 3, il est dit ici, au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, où ? Dans les lieux célestes, en Christ. » Il en est de même quand nous avons lu Éphésiens, chapitre 2, verset 6,
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc le trône de Dieu est devenu accessible pour tous les croyants. Et désormais, grâce à la mort de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Le voile du temple étant déchiré, un chemin nouveau et vivant est ouvert à tous les croyants, jusqu'à Christ glorifié à la droite du Père, c'est-à-dire jusqu'à son trône ou dans les lieux célestes. Et je m'explique. Quand Jésus-Christ a été crucifié, la Bible dit qu'il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le déchirement de ce voile, image du corps de Jésus-Christ, signifie qu'une route nouvelle et vivante a été frayée, permettant donc à tous les croyants d'accéder à la présence même de Dieu. Dieu lui-même déchire ce voile en deux, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. L'entrée n'était réservée qu'aux sacrificateurs, qui une fois par an faisaient l'expiation des péchés du peuple. Maintenant, la question du péché étant définitivement réglée, il n'y a plus de sacrifice à faire. Jésus a offert le bon sacrifice, l'excellent, l'unique. Il a fait l'expiation des péchés du peuple, l'expiation du péché de tous. L'obstacle qui t'empêchait de t'approcher de Dieu n'existe plus. Par Jésus, mort sur la croix, tu peux maintenant entrer en contact avec Dieu, lui parler ouvertement. Dieu lui-même déchire en deux ce saint rideau. Il se dévoile et le croyant peut s'approcher de lui. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 16 déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver grâce et miséricorde pour être secouru dans tous nos besoins. Ta position en Christ te donne de t'approcher du Seigneur en toute assurance. Le trône de Dieu est accessible pour répondre à tous tes besoins. Alors, ce matin, approche-toi avec assurance du trône de la grâce pour recevoir selon tes besoins et triompher. Et triomphe ce soir. Triomphe ce matin. Entre dans le lieu saint continuellement avec assurance. Sois à l'aise avec Dieu. Parle-lui ouvertement. Ouvre-lui tout ton cœur. Dis-lui tout. Dépose à tes pieds tes fardeaux. Loue-le pour ce qu'il est. C'est lui-même qui a dit: venez à moi, qui, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. Il peut toutes choses. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part? Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout. Et ce matin, mets entièrement ta confiance en lui. Approche-toi de lui avec assurance. Il a tout fait, tout a été fait, tout est accompli. Tes péchés ont été pardonnés. Le sang de Jésus a coulé. Ce sang efface nos péchés, nos transgressions. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par son sang. Donc il nous donne libre accès auprès de lui, de venir avec assurance et de prier. Derrière les pleurs, il sait lire toutes tes souffrances, le désir de ton cœur de retrouver la paix. Ce matin, qu'il t'accorde ce que ton cœur lui demande. Le Seigneur est là, il peut tout. Approche-toi de lui avec assurance. Ne crains point, crois seulement, et tu verras sa gloire. Il est là, le Seigneur. Il entend et il répond. Remarquez, quand Aaron, dans l'ancienne alliance, se présentait à Dieu une fois par an pour faire l'expiation des péchés du peuple, il portait sur son cœur et sur ses épaules
tous les noms des tribus d'Israël, afin de les prendre avec lui dans le lieu très saint. Aucun n'était oublié. Tous avaient donc cette faveur de trouver grâce, miséricorde, pour que leur péché soit enlevé. Et c'est Aaron, le grand sacrificateur, qui était chargé de le faire une fois par an. Jésus a rendu maintenant le sacrifice parfait, l'excellent. Il est mort pour chacun de nous à la croix du calvaire. Il n'y a donc plus de sacrifice à faire. Il est mort et il est ressuscité. De même, le Seigneur n'était pas seul à son entrée dans le ciel quand il est ressuscité. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Mais il n'est pas entré seul comme ça dans le ciel. Par la puissance du Saint-Esprit, il a ouvert la voie pour emmener ses rachetés avec lui. Dès lors, cette position dans les lieux célestes nous est assurée. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités avec lui. Alors, si vous dites à quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, il va vous dire, vous déchantez. Si vous rencontrez quelqu'un là qui ne croit pas véritablement et que vous lui parlez que vous êtes ressuscité, il va se moquer de vous. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire, mais pour que quelqu'un ressuscite, il faut qu'il soit mort. La Bible dit, nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités aussi ensemble avec lui. Comment cela peut-il se faire? C'est que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous n'avons pas part à la vie éternelle. Nous étions séparés de Dieu. Il y a donc deux morts, une mort physique et une mort spirituelle. La mort physique, c'est quand on met la personne dans un tombeau. Et là, on met son corps dans une tombe. On dit qu'il est mort, voilà, on fait son enterrement. Et la mort spirituelle, c'est être séparé du Seigneur. C'est d'être coupé de la vie avec Dieu. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra après la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est bon pour toi de rétablir le contact avec Dieu si tu l'as perdu, de retrouver la communion avec le Seigneur si tu l'as perdu, d'aller à lui et de confesser tes fautes, tes péchés. La Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur t'appelle à renouer avec lui, à retrouver cette communion peut-être effritée en ce moment. Mais tu as besoin plus que jamais de la consolider. Comment? Par la prière, avec foi, et de ne pas négliger les choses essentielles. La méditation de la parole, la prière, les réunions d'église, d'être avec le Seigneur, de le mettre en premier dans ta vie. Seigneur t'appelle à être vraiment en Christ. Être en Christ, c'est un fait acquis, pourvu qu'on persévère jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est bon de ne pas se relâcher. Et si tu t'es relâché, il est bon maintenant de revenir au Seigneur de tout ton cœur. Avec larmes, avec des supplications, dans la repentance, dans l'humiliation. Si mon peuple, dit le Seigneur, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Son péché, je pardonne. Son pays, je guéris. Seigneur t'appelle à
à prendre la position du chrétien. Il faut que tu gardes cette position de chrétien jusqu'au bout. Il faut que tu sois dans cette position. Quand le chrétien affirme sa position en Christ par la prière et le témoignage, il a fermé cette position. En Christ, Dieu nous a justifiés. Il nous a déclarés sans reproche à ses yeux. Par son sang, il nous purifie, il nous fait pénétrer au cœur même de la sainteté. Nous sommes voués à la perfection. Si Dieu nous destine à la sainteté, nous devons nous mettre en route pour l'atteindre. Celui que Dieu prédestine, il le choisit, il le prédestine. Et prédestiner veut dire établir à l'avance. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est ta position. Ressuscité ensemble et être assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Cette position dans les lieux célestes nous est assurée. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a rien fait sans nous. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 12, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Alors ayons la vision de notre identification avec Christ. Pour être assis dans les lieux célestes, il faut remplir cette condition. Et c'est quoi notre identification avec Christ? C'est sa mort et notre mort. Sa résurrection est notre résurrection. Sa victoire est notre victoire. Son triomphe est notre triomphe. Son autorité sur Satan est notre autorité sur lui. Alors gloire à Dieu pour celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qui satisfait ses conditions pour lui permettre d'être assis avec le Christ dans les lieux célestes. Jésus ne t'a pas seulement délivré de la mort et du péché. Il t'a ouvert le ciel. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il nous a ressuscités. Et l'exaltation de Christ a mis un terme à l'autorité spirituelle de Satan sur toi, de Satan sur ta vie. Jésus a vaincu le diable à la croix. Il a dépouillé de tous ses pouvoirs. Il t'a libéré du pouvoir de l'ennemi à la croix. Il t'a justifié. Il t'a rendu libre. Il a brisé tes liens, tes chaînes avec toutes tes passions et tes vices. Il a brisé donc tes chaînes. Il t'a libéré du pouvoir du diable pour te faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Christ a toute autorité. Autorité que nous sommes appelés aussi à partager de manière spirituelle. Philippiens 2:8, la Bible dit, il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu as le nom le plus puissant que le nom de tous tes problèmes. Tu as le nom le plus puissant que le nom de tous tes soucis, que le nom de tous tes maux. Alors, ce matin, arrête d'être à genoux devant toutes tes difficultés. Arrête d'être à genoux devant tes problèmes.
Arrête de te prosterner devant eux. C'est à toi de mettre tes problèmes à genoux devant toi. L'autorité. Tu as le nom de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Donc tu as reçu l'autorité. Jésus a dit qu'il nous a donné force et autorité sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Dieu nous a donné une autorité et une responsabilité. Et cette position d'autorité nous place au-dessus de toute domination, de toute puissance. Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle à présent, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Autorité du Seigneur. Tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. Le Seigneur a reçu toute autorité. Et il partage aussi cette autorité avec nous. Et comment partage-t-il cette autorité? On peut lire, pour le comprendre, Marc chapitre 9, verset 22. Quand ce père désespéré s'adresse à Jésus, en venant trouver secours, miséricorde, délivrance auprès de lui, qu'est-ce qu'il dit? Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Alors que fait Jésus? Il ramène la puissance de Dieu accessible à chacun de nous. Tout est possible à celui qui croit. Et peut-être tu as un enfant qui s'est égaré, qui est sous l'influence du malin, qui est complètement perdu, déconnecté avec la réalité. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est possible d'intercéder, de prier le Seigneur, d'exercer ton autorité ou de prendre des personnes avec toi qui vont exercer l'autorité et de prier le Seigneur pour que ces chaînes tombent, ces liens soient rompus, le mal en lui soit vaincu et qu'il soit libéré du pouvoir du diable. Oh, à ce moment, on parle beaucoup de violence. On a même dépassé ce temps de Noé. Et les personnes s'entretuent pour un rien. Pour un simple regard, pour une parole, pour un mot, pour un geste. Et on promptement, on n'hésite pas de prendre une arme et d'agresser. C'est dans le but de tuer. Et c'est ce que l'ennemi qui est derrière cherche à faire, le malin. Il vient pour égorger, tuer, voler. Il vole la vie de tous ces jeunes, d'être en train de voler peut-être ta vie également. Mais tourne-toi vers le Seigneur, repens-toi de tes péchés. Demande au Seigneur de te sortir de là. Tourne-toi vers lui, tu seras sauvé, tu seras libéré du pouvoir du diable. Pourquoi? Jésus a tout accompli à la croix pour toi, tout a été fait, tout est fait. Pour que tu crois, tu vives libre. Pour que tu sois heureux, heureuse. Pour que tu ne vives plus sous la domination du malin. Il a vaincu pour toi. Il a triomphé pour toi.
Et sa victoire à la croix, c'est ta victoire. Tu peux saisir ce matin cette victoire dans le nom de Jésus. Et tu peux crier à lui ce matin et lui dire, Seigneur, viens à mon secours, comme ce père qui est allé jusqu'à Jésus pour lui dire, ben, fais quelque chose. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens notre secours, aie compassion de nous. Jésus entend cette prière. Il entend la prière d'un père qui souffre. Il entend la prière d'une mère qui souffre. Et qui voit chaque jour son enfant dans un piteux état. Qui voit son foyer en lambeaux. Qui voit que ça ne va pas. C'est maintenant qu'il faut faire appel à Jésus. Le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Oh, le trône de Dieu est accessible pour tous. Pour ceux qui vraiment qui sont à Jésus-Christ, mais de l'ordre de ta vie. Tourne-toi vers le Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur. Et il te répondra. Alléluia. Il a le pouvoir de changer le mal en bien. Il a le pouvoir de changer les ténèbres en lumière. Tu as besoin de Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as besoin du Christ. Arrête. Arrête de poursuivre un chemin de mort. Arrête. Arrête. Tourne-toi vers le Seigneur maintenant. Lui-même se place là, devant toi. Lui-même t'arrête là ce matin. Tu entends sa voix. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Repens-toi de tes péchés. Tourne-toi vers lui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de délivrance. Le Seigneur est là. Tu as besoin de son secours. Il est là près de toi, prêt à te secourir. Et le Seigneur a montré que cette puissance est aussi accessible à chacun de nous. Nous pouvons prier au nom de Jésus pour que des chaînes tombent, et les chaînes tombent au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus, et nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Que des liens tombent, nous délions les âmes qui sont sous l'emprise du diable, sous l'effet du malin. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous lions les actions du diable. Nous mettons à mal son camp. Et nous renversons son camp sans dessus dessous. Et nous rappelons que c'est lui qui est dans la défaite. Et nous sommes dans la victoire. Jésus est Seigneur. Il nous a donné une part de son autorité. Alors tout est possible à celui qui croit. Ce que Jésus a fait pour cet enfant, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour ton enfant, il peut le faire pour ta fille, il peut le faire pour ton fils. Il a le pouvoir de le faire, si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est ainsi que Jésus ramène la puissance de Dieu accessible à chacun de nous. Il n'a pas dit « je vais faire, mets-toi de côté, je vais faire ». Mais si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, cela est possible. Si tu crois, ah ben, ton enfant sera délivré, libéré du pouvoir du malin. Si tu crois, il sera guéri. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tout est possible à Dieu. Si tu crois, tout sera possible. Jésus peut toutes choses en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. Jésus peut toutes choses en faveur de ceux qui placent leur foi en lui. Il peut tout. C'est pourquoi il a dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Asseoir, c'est siéger avec Christ. C'est partager son autorité. Partager son autorité sur le diable. Jésus t'a fait asseoir dans les lieux célestes pour que tu sois un vainqueur. Alléluia. Alors ce matin, rejette tout ce que l'ennemi te propose. Rejette avec force tout ce qu'il essaie de prendre ou de te proposer. Pourquoi? S'il te propose, c'est d'essayer de te bloquer, de te limiter dans tes actions, de te rendre efficace. N'accepte pas le compromis. N'accepte pas
les convoitises. N'accepte pas de retourner dans ton passé. Le passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, le diable ne s'avoue pas vaincu. Il voudrait que tu retournes dans le passé, flirter encore avec le mal, avec tout ce que tu as abandonné. Il voudrait que tu reprennes tes mauvaises habitudes. Mais rejette ces choses. Abandonne ces choses pour le Seigneur. Car il t'a placé dans cette position céleste, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ta position, ne perds pas ta position. Et tant que tu restes dans cette position, alors tu peux exercer ton autorité sur le diable. Ne perds pas cette position pour que chaque fois qu'il vient pour t'attaquer, tu puisses ainsi l'arrêter, le vaincre chaque fois au nom de Jésus. Et quelquefois nous n'avons pas les mots, les paroles, et il peut venir dans la nuit pendant que tu es endormi pour te bloquer sur le lit, pour t'empêcher même de parler. Tu essaies, mais peut-être quelquefois tu n'en arrives pas. Tu perds les mots, tu n'arrives plus à exprimer quelques paroles. Il vient comme te clouer sur ton lit. Au nom de Jésus. Un simple mot est suffisant pour faire fuir les démons. Au nom de Jésus, les démons fuient. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors brise dans le nom de Jésus tout ce qui te laisse attaché. Tu as le pouvoir de briser dans le nom de Jésus celui qui vient pour te corrompre. Tu as ce pouvoir. Jésus t'a donné force et pouvoir sur les démons. S'il y a des puissances spirituelles qui t'attaquent, ton devoir est de les vaincre. Alléluia. Remarquez ce que l'Épître aux Éphésiens commence. Remarquez que si l'Épître aux Éphésiens commence en nous établissant dans les lieux célestes, elle se termine en nous avertissant de la présence en ces mêmes lieux célestes d'ennemis. C'est pourquoi il est dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les hommes, contre les personnes, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans les lieux célestes. Comme nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mais l'ennemi essaie par tous les moyens de nous empêcher d'entrer dans cette bénédiction, de pouvoir vraiment vivre une vie épanouie, une vie heureuse. Il s'acharne sans répit contre Dieu. Il n'est pas arrivé, donc il s'en prend à nous. Il s'en prend au peuple de Dieu. Il s'en prend au plan de Dieu pour ta vie. Mais c'est à toi d'exercer ton autorité sur lui. C'est pourquoi les armes que Dieu nous a données sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi brise dans le nom de Jésus, dans le nom du libérateur, les trains enflammés du diable. Entre ce matin dans le projet de Dieu. Le projet est là. Il a tracé pour toi un plan, un avenir. Il tient les rênes de ta vie. Le plan est là. Ce qu'il donne, il a bien donné. Jésus a donné, il t'a donné des choses. À toi d'aller dans le camp de l'ennemi, s'il le faut, ce qu'il t'a volé, de le reprendre. Mais comment? Mais vraiment en priant le Seigneur, en criant la dépendance avec lui et d'être vraiment dans sa communion. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous avons donc ce pouvoir de mettre en déroute l'adversaire. S'il y a des puissances spirituelles qui t'attaquent, ton devoir est de les vaincre. La puissance de l'Église chrétienne est la prière. Car seule l'Église peut pénétrer dans le monde spirituel et y opérer. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors nous pouvons opérer. L'Église est l'agent décisif dans les affaires nébuleuses de ce monde.
Et nous pouvons prier que Dieu puisse changer le mal en bien. Cette violence qui est là, cet acharnement contre les enfants de Dieu. Dieu brise ces choses. Dieu peut ramener la paix dans un pays. Dieu ainsi peut changer les ténèbres en lumière. Mais Dieu nous appelle à prier. L'Église est l'agent décisif dans les affaires de ce monde. Nous pouvons décider. Et nous pouvons donc prier, se dire, mais Seigneur, il y a telle ou telle chose, ça ne va pas. Mets un terme à ces choses-là. Dieu répond. Seigneur, il y a telle ou telle chose là où c'est pas possible, vraiment. On aurait dit que c'est pas possible, mais c'est possible de vaincre l'adversité. Dieu peut ramener le calme dans ce pays. Dieu peut se placer devant des jeunes et les arrêter dans leur course folle. C'est nous qui décidons. Et quand nous prions, Dieu touche des cœurs à salut. Il convainc de péché, de justice, de jugement. Il sauve, et il sauve parfaitement. Il y a des puissances occultes qui sont derrière. Et le pays est maintenant envahi par toutes sortes de choses, des pratiques occultes, de vaudou, d'hindouisme, de magie. Et on voit maintenant la Bible dit, le monde gît sous la puissance du malin. Mais il y a de ceux que Dieu veut sauver. Et notre responsabilité, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. C'est ta responsabilité, autorité et responsabilité. On ne peut pas se dire, bon, c'est comme ça. Ou être chrétien et qui a les bras croisés et qui accepte cette fatalité. Non, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de sortir du sommeil. C'est le moment de prendre position pour Dieu. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de parler au Seigneur. C'est le moment de revenir à Dieu et de prendre la place d'être chrétien, d'être un homme, une femme de Dieu, un sacrificateur dans sa maison, d'être vraiment un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se place devant le pays, qui se place là et qui intercède. Dieu cherche. Alors ce matin, que celui qui est là et qui entend, qu'il soit interpellé et qu'il se lève. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu sers ton Dieu de tout ton cœur, le Seigneur nous a donné force et pouvoir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Et aujourd'hui, peut-être on a peur. Et on recule. On n'avance plus, mais l'Église est là pour avancer. Que tu sois un homme de foi, un conquérant. Que tu aies une foi et beaucoup d'audace pour voir des changements dans ton pays. Dieu t'appelle à prier. Veux-tu voir sa gloire? C'est possible. Il t'a donné l'autorité. Il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il t'appelle à être cet instrument puissant entre ses mains. On peut rendre impuissants les agents de Satan, les lier, les empêcher de réaliser leurs plans. Et Dieu t'appelle à être cet instrument puissant entre ses mains pour contrecarrer les actions du diable, les lier. Dieu t'appelle. Élie l'a fait. Élie le prophète. D'autres hommes de Dieu l'ont fait. Et Dieu t'appelle à être cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, pour être vraiment ce conquérant. Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Il y a encore des âmes à sauver. Alors je vais prier pour que ces âmes se tournent vers toi, le Dieu vivant et vrai.
Je veux me tenir dans ta présence. Je veux me consacrer à toi, Seigneur. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux vraiment être l'agent décisif dans ces combats. Je veux me placer entre Dieu et les hommes. Je veux intercéder. Je veux être intercesseur. Dieu entend cette prière. Dieu cherche encore des hommes. Alors tu peux dire ce matin encore, Seigneur, je veux être cet intercesseur. Il entend. Alors reprends ta position de croyant. Être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ta position. C'est ta place. Reprends ta place. Reprends ta position. Et combat avec foi. Afin de gloire, de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans l'église, dans le pays. Dieu est là. Et nous pouvons compter sur lui. Il nous a donné autorité de marcher sous toute la puissance du mal et rien ne pourra nous nuire. Dieu t'appelle à être vraiment un combattant, un héros, un vaillant. Alors va avec la force que tu as. Et si t'en manques, Dieu t'en donnera encore davantage. Car il a besoin de toi. Peut-il compter sur toi? Alors ce matin, tu peux dire, oui Seigneur, voilà ta parole. Tu peux compter sur moi. Je prends cette ferme résolution de marcher avec toi et de marcher en vainqueur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ces personnes que je côtoie et que j'entends même à la radio que oh, telle ou telle personne a été agressée. Mais je veux vraiment entendre autre chose. J'entends vraiment du bien pour mon pays. Et je veux voir ta gloire et des âmes sauvées. Voilà ce que Dieu attend de chacun. Puisses-tu être ce combattant, cet intercesseur? Est-ce que tu peux prendre cette responsabilité, autorité et responsabilité? Et tu peux dire ce matin, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous rappelles que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Que nous avons une position, que nous siégeons là avec toi et que tu nous as donné une part de ton autorité et de responsabilité. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, faire valoir ce que tu nous as donné et de mettre en déroute l'adversaire. Arme nos bras, arme nos cœurs, Seigneur. Et ce matin, nous prenons toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Nous nous soumettons à toi afin d'être puissant et fort dans nos combats. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Répare ce qui a été cassé dans les vies. Répare cette communion qui a été effritée. Répare, Seigneur. Et que nous retrouvons, Seigneur, ô Dieu, notre force en toi, notre communion en toi, et la prière, Seigneur, comme Élie, le prophète, afin que les écluses des cieux s'ouvrent. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous croyons ta toute-puissance de délivrance. Et ce matin, nous prions au nom de Jésus que ceux qui sont sous l'emprise du diable soient libérés au nom de Jésus. Ceux qui sont là comme liés par des passions, des vices, par la drogue, soient délivrés de ce pouvoir au nom de Jésus. Ceux qui s'adonnent à la magie, tu les arrêtes. Et tu les convaincs de péché, de justice, de jugement. Seigneur, descends avec force dans ce pays. Envoie tes anges et passe dans les rues, dans les maisons. Visite les foyers, visite les familles. Touche tes cœurs à salut, Seigneur. Nous prions qu'il y ait, Seigneur, ô Dieu, dans ce pays, un changement. Il est des âmes touchées à salut, convaincues de péché, de justice, de jugement, et qu'ils viennent, Seigneur, dans ta maison, se tourner vers toi, le Dieu vivant et vrai, qu'ils tombent sur leur face et qu'ils reconnaissent leur péché. Seigneur, libère ce pays. Délivre les âmes de toutes sortes de passions et de tous ceux qui les animent. Tu sais déjà. Et nous prenons autorité sur ces choses au nom de Jésus. Nous chassons loin de ce pays toutes ces actions ténébreuses, tous ces esprits malins, diaboliques,
que nous commandons de se retirer et d'aller se jeter dans ces lieux arides. Tu as dit, Seigneur, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, son péché je pardonne et son pays je guéris. Seigneur, tu nous appelles à nous humilier. Tu nous appelles, Seigneur, à être avec toi. Tu nous appelles, Seigneur, à penser au bien-être de notre pays. Notre bien-être, le bien-être de ce pays. Et nous prions qu'au nom puissant de Jésus, tu nous emmènes à voir ta gloire. Guéris ce pays malade. Guéris ce pays. Guéris ces foyers touchés par l'alcool. Guéris ces jeunes, Seigneur, aux prises avec toutes sortes de démons, de passions. La cigarette, l'alcool, la drogue, libère ce pays, libère ces âmes, libère ces jeunes. Arrête toute cette tuerie, Seigneur, au nom de Jésus. Sauve notre pays, sauve au nom de Jésus. Amen.